السلام عليكم أستاذة زينب جدياني، أستاذة اللغة الفرنسية بمؤسسة رابية العدوية، المديرية ديال الفدا مرسلطان. كان لي الشرف اليوم أنني نحضر لواحد التكوين اللي قامت به مؤسسة ديال التمكين. صراحة كانت أول مرة، ولكن التكوين جد مهم لأن تعلمنا فيه بزاف ديال الحوايج اللي هي تصب في اتجاه واحد، وهي يعني تحفيز التلاميذ على وتشجيعهم على التعلم عن طريق واحد دي موداليتي زعما كي سون تري انوفونت. اون ابري بوكو دو شوز اجوردي غراس او فورماتور، غراس ا اون فورماسيون de grande qualité et on va en profiter vraiment à la première opportunité. L'élève est au centre de cette formation. L'élève va bénéficier d'un soutien pédagogique à tous les niveaux et tout cela pour promouvoir et pour augmenter le niveau des élèves dans toutes les matières. La plateforme Temkin est une plateforme qui est très différente, donc on a besoin de plateformes concurrentes, mais nous avons fait cette question aujourd'hui parce que nous avons fait une petite ou une mazaya, si j'ose dire, qui va nous permettre de travailler plus rapidement. مثلا اننا نقدروا لا بلاتفورم ممكن تمشي حتى 400 voire même 500 élèves et ça c'est très important. اننا نقدروا هذا الدعم التربوي اللي غنقدموا بشكل تطوعي للتلاميذ يكون على المستوى الوطني والكل يستفيد. السلام عليكم، عمر بونيت، je suis professeur au collège Razali direction ديال الفيدا. aujourd'hui le 2 décembre 2021 voilà, nous venons de terminer notre formation, la première formation, si vous voulez, premier grade user. Alhamdulillah, nous avons appris plein de choses. La fondation, c'est vraiment prometteur. C'est donc un des projets pour au profit des élèves, bien sûr. Où tu as le premier stade d'IEL User, comment utiliser la plateforme d'IEL Temkin. Où, Inch'Allah, c'est vraiment, ça donne envie d'aller loin dans la formation pour l'apprentissage à distance. Où, Inch'Allah, les professeurs, les enseignants, toutes les parties qui sont intéressées à. Le nouveau mode d'enseignement ou Mahad Jaïha, voilà, c'est un projet inshallah qui va faire face à des crises comme Hadi Kanaïchou ou Deba. Ou Choukran Bzaf, les formateurs, et merci pour tout le monde.